suis ravi d'être présent et parmi vous pour cette nouvelle édition du Rendez-vous des décideurs IT. La présence de Samsung n'est pas quelque chose de nouveau aux côtés de Pechley pour l'organisation de cet événement. Néanmoins, cette nouvelle édition porte un sceau particulier. C'est la première fois que le groupe Pechley l'organise et je suis ravi de pouvoir y associer le nom de Samsung Electronics et de m'associer personnellement à cet événement qui est un événement majeur. Le rendez-vous des décideurs IT, c'est devenu depuis quelques années un rendez-vous incontournable de notre marché et de notre activité. Et je pense que c'est grandement dû à l'investissement, à l'engagement et à l'énergie d'un groupe. Un groupe avec lequel on partage énormément de choses, avec lequel on partage des projets et de nombreux projets, avec lequel on partage des ambitions qui sont grandes. Et puis enfin, un groupe avec lequel on partage des valeurs. J'insiste sur les valeurs parce que après ces 18 derniers mois, je pense que c'est la force de nos convictions communes qui nous ont permis de traverser cette épreuve ensemble et ça illustre parfaitement le caractère essentiel de la valeur de coprospérité qui est au cœur de l'organisation et de l'ADN Samsung. Je vois aujourd'hui nos équipes travailler les unes avec les autres et je pense que ce travail collaboratif, c'est source d'innovation, source de créativité et c'est de cette innovation et de cette créativité dont nous allons avoir besoin pour appréhender ces semaines et ces mois de reprise que nous avons en face de nous. La question qui se pose maintenant, c'est sur quels fondamentaux va se construire cette reprise et ces prochaines semaines. Alors, je pense que dans un environnement qui est plus que jamais incertain, les entreprises vont devoir se recentrer sur des valeurs fondamentales. Personnellement, j'en vois trois. La performance, l'intelligence et l'ouverture. Alors, pourquoi la performance? Simplement parce que c'est cette performance qui va nous permettre au quotidien d'optimiser nos process et de réduire, si on devait encore le réduire, notre time to market. L'intelligence, parce qu'on va avoir besoin d'intelligence pour appréhender les transformations de notre secteur d'activité, de notre marché et créer de ces transformations de nouvelles opportunités et de leviers de croissance. Et enfin, une ouverture parce que ce nouvel environnement qui se dessine sous le signe de l'interopérabilité et de la coopération des systèmes. Et donc, c'est amusant parce que ces valeurs, performance, intelligence, ouverture, sont en général l'apanage d'individus. Mais ça ne vous a pas échappé, on est au rendez-vous des décideurs IT et c'est de nos solutions, de nos produits dont on va parler. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que plus que jamais, je pense que les entreprises aujourd'hui doivent savoir faire preuve de cohérence. Et quand je parle de cohérence, c'est on doit être capable de faire le lien direct entre d'un côté les produits qu'on conçoit, qu'on développe et qu'on construit et de l'autre, les aspirations profondes des entreprises. Cette cohérence, j'ai envie de dire cette exigence, c'est quelque chose qui caractérise Samsung depuis de nombreuses années. C'est certainement une des raisons pour lesquelles cette entreprise est devenue un acteur incontournable et un leader technologique. Et c'est, je pense, cette stabilité qui est assez rassurante dans le marché dans lequel on est aujourd'hui, qui va nous permettre d'être le socle des projets de croissance de nos partenaires. En conclusion, j'aurais envie de dire que vous l'avez probablement compris, enrichi d'innovation collaborative et de créativité. C'est une vision augmentée de notre environnement et de notre marché que nous avons envie de construire avec vous. Une vision augmentée de nos technologies tout d'abord, parce que c'est ces technologies qui vont nous permettre de construire ensemble les projets de croissance des entreprises. Une vision augmentée de notre équipe, parce que l'équipe Samsung est plus que jamais à l'écoute et à disposition des équipes IT pour vous accompagner sur des projets de A à Z. Et enfin, une vision augmentée de notre écosystème de partenaires. Et le groupe Pechley est probablement un des premiers et un des plus beaux ambassadeurs de notre écosystème de partenaires. Je pense que c'est, et de loin, notre plus bel atout. Voilà, je vous remercie pour ce moment passé ensemble aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent rendez-vous des décideurs IT. Les semaines et les mois que nous avons en face de nous s'annoncent intenses avec de nombreux challenges que j'ai hâte de relever avec vous. À bientôt.